Bonjour madame, on a bien nos bons. Bonjour les barco qu'on a d'habitude show partout à travers le monde. Émission pour la Congo et Bandi, Boza et Belé. Les bossois avec tando et qui on a bien nos potos panza sangoto toyo kwa kosolo la mai matali mboka Congo to tu vois plutôt comme ouais plutôt zo kende wapi ba ndeko balandi mbote pekimia na mabota na bino boye bake premier ministre maman Judith Tuluka Suminwa ayebaki bongo ko déposer projet de loi de finances 2024 avec un budget évalué à 49 milliards, soit 18 milliards de francs, 18 milliards de dollars. Notons que projet en gros est une augmentation et après de 14% au niveau il y a investissement p augmentation à 13% na maimatali ressources allouées na agriculture maman Suminwa ayeba ki bongo ko beta sete na maimatali social ya peuple congolais ya talisi ke tour oyo to kolanda bongo na bokebi penza maimatali peuple pe social ya bana mboka nanga mona etata mokambi ekolo Félix Antoine Tshiseke Tshilombo Aeba kibongo ko visite ba école mibale lobi, école ya Kamina na commune ya Kalamu, pe école ya Kanchat na commune ya Ngayema wa Bibisika. Akenda kibongo ko se rendre compte ya effectivité bongo ya gratuité et enseignement pe bongo maematali effectivité ya rentrée scolaire lokola bon père de famille pe tata mokambi ekolo azala ki yemoko sur place pona koyeba ndenge ni makambo ezali koleka pe ko tombera année scolaire bolamu na bana nyonso bazongi kelasi na maimatali justice condamnation à mort il y a 37 individus dont 6 étrangers na affaire coup d'état raté Union européenne et bibongo ko condamné requil il y a démocratie pe ya état de droit sous le président Félix Tshisekedi rentrée parlementaire na discours na ya ouverture lobby moleki ndeko Jean-Michel Samalukonde président à Sénat aeba kibongo ko senga sima na ye ko condamné maezali ko salema na est ya République démocratique du Congo Aebaki ko senga bongo ko projeté durant un mandat oyo ko doté parlement na siège ya sika o ezali propre ya yemoko puisque palais du peuple ezali ko zala utilisé provisoirement depuis plus de 30 ans yango ezali malamo soki monkete motuna est-ce que c'est opportun puisque le bisiba na mboka ebele Nous en parlons ce matin au cours de cette émission, mais aussi le Kambetali démocratie de Rosolo Belango depuis un moment. Tout le Belakongo, la bande de commis, balé basami. Sur ces plateaux, Nathan Oyalelo, Toza Bongo, Nande Komanix, Yenda, Narobo Kunanga, Yamwasi, Ndeko, Mbote, Peboye Bola. Mbote, Maman Naomi, merci beaucoup pour l'invitation. Mbote, na co-débatteur. Autant na Pessimbote, na ba Congolais du Congo profond, na ba Congolais de la diaspora. Nati Elika était. Tokoti à Congo au menu de nos échanges d'aujourd'hui, Nengena Lobaka. Tokoso là dans l'altérité, dans le respect des points de vue de tout un chacun, dans la culture démocratique, tout en mettant de côté ma clivage, ma tendance, ma mouvance idéologique, ma ségrégation politicienne, nous avons divisé Bisso autour de questions nationales. Le Congo demeure notre dénominateur commun au-delà et à ma intérêt. Artisan Abisso, Tolinga Congo, To Salila Congo, To Tombola Congo, To Tindika Congo et Kindelibos. Dernière sortie médiatique, na on a été en Donabisso et Botaki Mambo Tombo Tobele, Balobin de Komanex Yenda, comme opposant, de Komanex Yenda, comme Kolobama B pour na pouvoir Tshisekedi. Est-ce que vous remarquez changement depuis au dénonçant qui m'a ramené au Simbate? Bon, oui, maman Naomi, quand ça la politique na Congo, il faut avoir le deux pieds sur terre. Il faut avoir un mental d'acier, n'est-ce pas, dans le poteau, parce que la politique ya Congo est tondi samina moi, ba anti-valeur mink. Il y a beaucoup de clichés négatifs, il y a beaucoup de stéréotypes, ba mauvaise conception na Italie, likambo, il y a mboka. Au côté là, au moment na politique na biso, toi na deux discours politiques. On a bien le deux extrémités. Mm-hmm. Extrémité à opposition, kuna bandeko bazana kati opposition, manso oyo
tata mokonzi ya mboka Tshisekedi na gouvernement na ye ba ko sala ya limabe pona ba opposant Tshisekedi asali ata bolamu moko te pona kongole na extrémité pe a pouvoir bango discours na bango ezali manso Tshisekedi ya ko sala na pouvoir na ye ya limalamu mabe ezali te Tshisekedi ali pembe azali saint azali irréprochable okomona na deux discours wana ko benga ba discours toxiques ba discours nocifs ba discours des compromissions aux valeurs sacrées de la République, biso te ko pesa discours ya vérité. C'est-à-dire si ko Tshisekedi ya sali ya malamu, to ko beta maboko to ko applaudir. Donc wa likambo ya mise en œuvre ya gratuité de l'enseignement de base, likambo ya gratuité à maternité, likambo ya affectation à bas magistrats sur toute l'étendue du territoire national, likambo ya ko créer usine ya traitement d'eau Lemba Imbu, likambo ya ya inauguration à centrale hydroélectrique et Salamakina na Lwala ba pona ko augmenter en termes de taux de pourcentage ya énergie des consommations au niveau ya ba ménage ya ba congolais likambo ya ba moi misale ze belé penza o Tshisekedi ya sali développement sa 45 territoires et j'en passe ezali makambo biso to ko reconnaître et puis to ko applaudir parce que ezali makambo ya malamu mais ici ko mbeba ezali ici ko to sengeli ko porter ba critique na biso notamment sur la question de l'insécurité, la question du social, la pauvreté du peuple congolais, l'inaccessibilité à peuple dans le circuit de l'emploi, problème il y a circulation et etc. Likambo économie dollar les deux akomata ezali ba point oyo avec sincérité, avec vérité tout en mettant de côté ba décoration politique na biso et sengeli na ko critiquer mais ko critiquer pe sous forme ya ba proposition ya ngongai à chaque fois na ko leka na ba télévision na ko talisa na ba peuple onga na ko benga na lopoto ba théorème o ezali moko ya ba forme ya ba proposition avec des exemples concrets avec des propositions concrètes pour na ko talisa na bato combien c'est possible ya ko tombola mboka na biso au travers des propositions de qualité parce qu'au-delà de l'opposition au-delà de pouvoir nous devons aussi être à même de proposer des idées pour aider le pays à aller de l'avant. Maton Domingue Malambo Kanakoli qui a qui balé ba comprendre position na yo ndeko Jean Mubengaza na loboko langa ya mobali ndeko mbote pe boyibola. Mbote maman Naomi mbote na ndeko tuzana na bato ya lelo mbote na balandi nyonso ya Congo Base Television tuzana na sengu ya kozala soir na service ya mboka. Nous sommes les le simple serviteur toyaga ko kosolola ko talisa makambo ya politique ndenge esengeli ekende ndenge ni to tonga Congo parce que Congo ezali ero etonga mate ba belge batika yango kaka ndenge wana le minimum moto moyindo pe azu yango mayele ya moto moyindo ezalaki ya kokende nango liboso te kozonga sima lelo tozana posa ya ke moi, nous sommes au Congo, comprendre que nous avons un grand rôle à jouer dans le développement du Congo. Nous sommes déterminés à voir les changements. Chaque peuple se détermine par l'action où vous allez poser, où vous allez soit permettre à Kendeliboso, soit à régresser. On est les longs villes à Kishasa et Koufi. Makambobele, ils allaient à Kosala. Il y a 205 qui allaient. Responsabilité à gouvernement Tepo. Bandekobele, dans la conception, il y a République. Bakansa, qui est gouvernement, il y a un bâton magique à Kosala. Nyonso. Le gouvernement, il allait ko préparer cadre. Il allait bongisa ba loi. Il allait Kosala Nyonso. Climat il y a qu'on vivre dans cette ambiance est à la malam pour que société est en bon. Mais si les acteurs au Basali directement concernés il y a qu'on participer au développement on a Basali passif à ça cause là que l'autre fasse et l'autre mauvais salamate les lots Chine ils allaient gouvernement chinois ils allaient bas chinois bas union sur Basali le gouvernement a mis un système communiste. Mais c'est la population qui participe dans le développement. Basali ko travailler. Nous n'avons pas cette culture-là. Mais quelle est la part du peuple na maïe? Basali ko sal, ko tambola te na mboka Congo.
par le peuple ça que peuple azali moko consciente na rôle il faut jouer azali kozela dans na système na le monde là tikela biso ya paternalisme toujours zela ke kaka bakonzi basale la biso tata mokonzi tala la biso le Cameroun même là où tu peux toi-même prendre la saleté qui est devant chez toi faut que l'État vienne faire ça toujours là. Et quand on a bouché, tant on bouleillé, et tondi à côté de Nandako, à toi, Koufi, et comme que l'État, Azo Salam Salam a été. Nous tous, nous devons jouer un rôle. L'État doit jouer son rôle, et le peuple doit aussi jouer un rôle. Ce n'est pas, nous ne sommes pas dans un game où il y a les spectateurs et les acteurs. Nous tous, nous sommes acteurs. Très bien. Maintenant, Domingue Mwanamboka, Mme Imatali, budget et exercice 2025, qui déposait le bureau de qui, maman Soumine, maman première ministre, à lobby qui est mobilisé, n'a pas prévision, on a vu sur 18 milliards. Est-ce une bonne nouvelle? Nama Imatali, bonne marche, Yamboka Congo. Pensez-vous que le gouvernement Soumine fera mieux avec ses budgets au Bassali déjà ici? Par rapport à. Premier mandat, tout ça est bon, il y a comme un ralentissement, parce que tu as 3 milliards au Kabila Tika, tu as 16 milliards au Canada 2024, 2025, tu as 18 milliards, et ça vraiment, hein, donc progression en pourcentage des amingités, mais c'est positif parce que tu as évolué, tu as régressé. Ce que moi j'attendais, c'est que ça pouvait encore aller même peut-être à 30 milliards pour que bah pousser que toutes les ressources de l'État qui sont disponibles pour mobiliser la recette, il y a l'État, bah ça la ressource, bah assignation et ça la licolo. Mon est ce qui m'ont au message ça y est déjà qu'on avance, faut qu'on gagne un rythme et continue. Nous avons tout pour que nous puissions atteindre. Vu que TVN m'a beaucoup vraiment récolté, oui bien moi. Il faut la réforme, et ça le ministère il y a finance pour que vraiment Moutounion soit en Katia, beaucoup en activité à Tiaka, Ndamuna Katia, il y a assiette ou il y a matériel. Pour partout dans le monde, l'État vit des impôts. Bah, impôts sur les revenus locatifs, sur impôts fonciers, impôts sur les bénéfices, impôts sur... Il y a plusieurs nénés paliers à impôts. Mais pas na biso, sur le talé, à tenir sur la parcelle dans la ville de Kishasa. Il faut faire impôts. Donc nous avons la possibilité d'aller... De faire mieux. Mais parce que nous sommes tous les miniers. Au bas de la loi, na au Katang, on est tous les là. On va payer ça. Tu regardes 700 millions et outina ces communes, ah, nini 300 millions et outina ce qui moutant de mining, tout ça c'est la mbongo et outara kuna. Or, mbongo et awaba, tous ces expatriés, ma foutara normalement, kanyaka, tout ça qui est de la mbongo, donc on doit formaliser vraiment ce circuit fiscal na kati mboka, parce que nous avons vraiment un grand pays qui doit être construit. Nous n'avons même pas 500 km de route asphaltée sûre comme ça. Nakatiamboka. Sauf qu'il y a bas Congo, ils ont à peu près 300. Si Congo central, je crois que c'est dans les 300 km. Sauf que il y a Bandundu, Tchikapa. Bon, là-bas, c'est quand même construit. Mais nous avons besoin que tout connecté Mboka Mobimba. Avec du bitume, que le Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest soit connecté. C'est ça même le développement. Mais 18 milliards, est-ce un budget conséquent par rapport à la vision de Tata Mokambiko? Je pense que ces 18 milliards, on n'a pas mbatté. Au moins, temps, ça, le budget est allé chaque filière. Nous avons un budget. Nous avons sangi ça. Bato agriculture babi biso pour na mbulo to sana posa ko sala na politique agricole na biso et l'hôtel et l'hôtel et ça autant. Bato ya aménagement du territoire ba yena ba bato infrastructure ba ngonyo défense bâtir ensemble des ministres nous soit défendre budget nay à la kisi
Et aspect, il y a défense, il y a dépenses, il y a recettes. Parce que le budget, il y a dépenses. Il faut que tout le monde recette aux alas combien. L'État a gagné, l'État a dépensé. C'est la somme de tout ça qui fait un budget. Alors, dans le budget, il y a des priorités dans le cadre de Bitumba. Pour nous retrouver Kimia dans l'Est de Mboka. Priorités ali pour continuer ba misala oyo banda qui déjà y a 145 territoires ba réforme na gratuité enseignement donc il faut ba infrastructure, il faut qu'on arrive à construire les routes nationales, ba route interprovinciale, ba route de dessertes agricoles, il faut donc infrastructure, il faut qu'on puisse terminer les ports en eau profonde à Banana. Il faut qu'on puisse baliser la ba rivière Nabiso pour que les transports fluviaux, les transports ferroviaires, ezonga, parce que le rail est presque vétuste, il faut l'outil de protection doit être acheté, bon, il faut la locomotive, il faut le wagon, parce que le corridor sud est déjà ezosala, où il y a Bissou, aucun de Diloloti, Benguelati, Lobito, et tout ça là. Il faut corridor ouest, où il y a Congo central, ils ont appelé en activité. Et ça là, ça là, normalement, tout le monde, tata Mokambi en Boka, Zaki na Chine, va signer moi, Ndambo, un accord pour permettre ce que l'investissement direct étranger, et côté na Kati en Boka, pour nous Sunga, parce que dans tous les pays du monde, si vous ne favorisez pas le secteur privé, développement vous allez vraiment très bien ma cassette matondo minimum en boka ndeko maniki yenda dans l'opinion tango to lanti maman souminwa et ben na batu balobi eza ba chiffre eza ba discours. Est-ce qu'il faut croire que chiffre oyo et ko sunga bana mboka et que 18 milliards et kozala ya solo et bana mboka bako sentir changement au cours de ces mandats? Bon, na ebite soko ali na mboka nini oyo bokoki kobeta lisolo ya gestion orthodoxe topé lisolo ya développement sans que tobeta masolo ya ba chiffre. Tango tolobela ka l'état. Na lobaka ngo mingi l'état azaka na ba mission mibale. Ezali na tobenga ka la mission gendarme, état policier, o azali na mokumba ya kobatela bato. Nabilo Konabango, il y a quoi assurer intégrité territoriale, qu'on protéger ma ligne frontalière, intangibilité de nos frontières, il y a quoi assurer la sûreté de l'État au travers ma service des renseignements, qu'on batte la écolo au travers l'armée nationale, qu'on batte la bateau Nabilo Konabango au travers la police nationale. Et kuna to bengango État gendarme, c'est-à-dire État policier. Et de l'autre côté, to ali dans to benga État providence. Kuna l'État ali na mokumba ya ko se substituer comme un opérateur de développement pour na ko assurer ba condition de vie sociale ya population congolaise. Ba benga rango na lopoto État service. L'État sengeli apesa bato lotiliki, l'État sengeli apesa bato mai, l'État sengeli a créé un climat très favorable pour la création de l'emploi, assainissement de climat d'affaires, qu'augmenter au travers de la politique publique le taux d'investissement pour couper sa possibilité na ba étranger baïa quoi investir sur le marché économique national. L'État a sengeli ko réguler les marchés d'échange pour na ko stabiliser ba effet inflationniste. On est à l'émission, il y a l'État. Mais au côté là, parmi ba attributs, il y a l'État. Il faut l'État pour que tombe ta penza masolo à l'État moko puissant, prospère et capable de résoudre le problème de sa population, il faut en même temps un État programmateur, un État planificateur. Tala lelo par exemple, Nambo Kanabiso, Romon a été Tokobeta Masolo, il y a 100 millions de Congolais. Mais il faudrait d'abord qu'il y ait effectivement, il y a combien de Congolais et catégoriser chaque catégorie de Congolais par rapport aux solutions à préserver sur chaque catégorie. Il faut tout y aller, bah, combien de jeunes au baza porteurs de diplôme sans que baza anamisala, baza évalué à la hauteur de combien de pourcents? Combien de jeunes traînent dans la rue au tobenga jeunes
enfants de la rue, combien de jeunes Kuluna, combien de jeunes qui travaillent dans le circuit professionnel, le circuit de l'emploi congolais, combien de filles mères, combien de jeunes au bazar n'ont accès à l'université, combien d'enfants qui ont accès au circuit de scolarité de base, ce sont des statistiques, ce sont des chiffres. Oui, qu'on permette un abisso, tout y a une politique efficace pour que tu résoudre le problème de Congolais. Combien de travailleurs déjà au Bazali, na misala, au Baza, na âge à peu près qui atteint l'âge de la retraite, combien de jeunes qui doivent remplacer Bato Baroké na retraite, combien de travailleurs au Bakoufi, combien de travailleurs au Baza na incapacité à Kosala Moussala, tout ça là, nous devons réfléchir autour de ça. Parce que ceux qui ont le bel chiffre, je me demande comment est-ce qu'on va développer ce pays. Et donc, Awana Koloyalikamouya, un État programmateur, un État planificateur. Et au-delà de l'État planificateur, nous avons aussi besoin d'un État protecteur. Un État qui doit protéger sa population contre le phénomène de sous-développement, contre le phénomène de l'insécurité, contre le phénomène où les lois ont infesté la vie et la quiétude de la population congolaise. L'État a singulier tiré la politique de santé publique pour n'accotier à bateau à l'abri d'une certaine protection sanitaire contre le virus, contre la maladie contagieuse, etc. Et au-delà de l'État protecteur, nous avons besoin d'un État producteur. Un État qui ne produit pas. C'est un État qui n'aura pas une vocation de développement. Toi, il y a un secteur, le quoi, un secteur et agriculture. Les lots sont l'État à produire comme un État-providence, opérateur économique, État-entrepreneur, État-manager, État-commerçant. L'État, quoi que ça, l'agriculture. Ce qui est l'État à l'ONI Milona, Congola Gosomba. Ce qui est l'État à l'ONI Libiso Pilipili, Congola Gosomba Pilipili. Toi, on a 100 millions d'habitants, c'est-à-dire 100 millions de besoins, 100 millions de demandes. Ce qui est l'État au tiers, ma politique agricole. Congolais à Kosomba. C'est-à-dire, toi, on a posé à l'État Oyo, il faut produire. Et dans un secteur, il y a agriculture, et dans un secteur, il y a énergie, et dans un secteur minier, dans un secteur forestier, et Sengeli, l'État à produire. Non, tu sais, on a un déco. À l'obéli, il y a une taxe, il y a un impôt. Mais puis, on a un État qui a une vocation de développement économique, à quoi qu'on s'est limité, car on a des ressources traditionnelles, donc on a une taxe, il y a un impôt. Parce que ce qu'on a bon auto qu'on mobilise au travers les taxes, impôts, droits, redevances et tout le reste, au moment que bon on a servir na biso kaka pour na dépense courante. Aujourd'hui salaire à bas policier, aujourd'hui salaire à bas fonctionnaire public, aujourd'hui salaire à bas médecin, aujourd'hui salaire à bas enseignant, aujourd'hui salaire à bas militaire et ça couvre toutes les recettes auto qu'on mobilise au travers les taxes et impôts. Et donc au travers ma ressource traditionnelle, c'est vrai, ça fait vivre l'État, mais nous devons créer d'autres unités économiques. Les lotas, par exemple, dans le secteur minier. Congo a vivre kakanaba redevance minière. Alors que, toi, tu as une société de production minière exacte. Toi, on a coltan, toi, on a lithium, encore que lithium, les lotas au cœur. Il y a économie mondiale parce que la question de la batterie électrique, c'est au centre des enjeux économiques mondiaux. Mais comment est-ce que la République démocratique du Congo a consacré la lithium, a consacré la manganèse, a consacré la or, le diamant? Comment vous pouvez imaginer au Kenyambogo le Dubaï? Dubaï a produire or. Congola, longue Congo, mais qui ressemble à bijoux, or, na Dubaï, alors que Bissau nettoie na ba richesse inquantifiable en termes de matières premières. C'est-à-dire, il s'agit d'abord de créer une industrie attractive pour que tout développe. Vous ne pouvez pas parler du développement sans industrie. Est-ce qu'on peut parler industrie alors que le pays est en guerre? Non, mais qui vous dit que parce que le pays est en guerre, les Togobet et les Sola développement est? Nalandagi même politicien, moi, je dis non. Congo est allé développer parce que Mbogo est en guerre. Mais comment un pays en guerre? Et de l'autre côté, les politiques de ces mêmes pays détournent l'argent de la République. Est-ce que dans un pays en guerre, on détourne l'argent du peuple? Dans un pays en guerre, on vole l'argent de la République? Dans un pays en guerre, est-ce qu'on peut parler des blanchiments de capitaux? Des enrichissements illicites? La fraude? Mais non!
Le problème, c'est que c'est vrai, nous avons des inquiétudes sécuritaires, mais nous pouvons aussi développer ce pays. Qu'est-ce qui manque? Est-ce la volonté? La volonté politique, l'amour de la patrie, l'abnégation, l'engagement, le sens du sacrifice suprême, la qualité de vrai leader à la tête de notre pays, ça manque. Tel est le loba acteur politique. Tel est le loba tobako Jérémboka. Il y a un grand décalage. Aujourd'hui, le Congo n'a même pas le patronat. Bah, opérateur économique. Oui, quel est le tant que tu es dans riche, il y a Congo. Les riches congolais aujourd'hui sont des politiques, les nantis. Bah, on est bana, banda kwa malamu. Bangonde bakotinda ka bana na poto, bangonde bakovoyage ka na ba business class, bangonde bazana ba condition esengeli, mais quid de la vie de congolais, la vie de policier, la vie d'un militaire? Comment vous pouvez imaginer un militaire wa kena front pour na kobundela école? Asimi manoki, akota la bonguna. Mais na motu na ye ako réaliser que na fin du mois ba kobenga na mwasi na nganda ndako, ba kobenga na bana ndako parce que mbonga ko futa ndako ezate. Na fin du mois, moi na nakela si bakobenga na parce que monga minerva les athé. Moi na okuna belaki, mais monga kosomba ki ces athé. Ba pesa inga sango, papa akufi azala morgue, mais monga kosomba cercueil ya kokundae ezalité. Obandi penza sodo wana simi mandoki akobunda malamu pona kobate l'école. Nous devons avoir l'amour de cette patrie. Nous devons travailler pour une cause nationale. Lelo biso acteur politique totika discours ya clientélisme, totika discours ya ja lelo, totika discours ya culte de personnalité, to ça la discours pour le salut du peuple. Engai na sepeli pour le défi ya madame la première ministre Judith Suminwa. C'est vrai, on va parler de chiffres, mais le budget, c'est le tableau de gestion. On ne peut pas parler d'une bonne gouvernance sans cette boussole qu'on appelle le budget. Mais ce budget-là n'est qu'une projection. Ce budget-là n'est qu'une manière de voir comment on va gérer ce pays dans cet exercice de gestion 2025. Parce que budget de la Ranine, nous le verrons de manière très simple. Au cause d'un alibo, tu l'obité, dans ce camboula, on a kokana. Il faut que tu sois un jeep, moko. Tu kokana. Il faut que tu sois une télévision, moko. Plasma, n'est-ce pas, tu le verras dans Kinshasa. Toko kana, il faut que tu sois un moko pona, bana qui n'a pas de kabango na kelasi. Mais pour que toi réalises ba projection au sali, il faut que tu aies un moyen, tu aies une ressource. Le fait de s'engager pour na ko réaliser ba projet au toti liboso, il y a un vouloir atteindre les assignations. Mais ceux qui doivent atteindre ba assignation, en a te, donc recourir à la gestion sur base caisse. C'est-à-dire na trésor public, na caisse, na benga à l'État. Tout ça na combien pour que tu résoudes le problème à ba congolais? Parce qu'il se peut que tu commis na soukamboula, mbongo oh mbongo to za ngona maboko et permettre biso te tosoma mutu kapona bana. Et permettre biso te tosoma lopango ndenge to kanaki to kosoma na soukamboula. Mais moi mbongo moke to bite tosoma kaka télévision parce que to kokite, to atteindre ba assignation budgétaire te. C'est-à-dire, c'est vrai, le défi peut être grand en termes de projection, mais nous avons besoin de l'argent réel. Nous avons besoin de gonfler les trésors publics. Est-ce que le soir, aucun trésor public de l'État au coût d'à 18 milliards de dollars? Justement, c'est une prévision. Alors que les réalités de Congolais sont des réalités évidentes. Et c'est que tu as une projection, car on a promesse à Pambate, car on a projeté, il faut que tu aies un encore que dans le secteur, on a un secteur Italie Banzela, infrastructure routière. Les lots de quoi tu as tous les gens qui ont été mis en condition et qui ont été mis en. Mais l'État congolais peut libéraliser les secteurs routiers pour que bah, privé, parce qu'on ne peut pas parler du développement sans l'intervention des opérateurs économiques privés. Privé, moi, je suis en train de. Et Nanzelo Owana est créé un raccourci, est créé possibilité pour assurer mobilité à les Congolais. Même si. Au départ, nous allons payer le droit d'usage à cette route, le droit de péage. N'est-ce pas que ça va favoriser le développement? Aussi, nous avons le droit à Bandung, aussi, nous avons le l'Équateur. Nous avons un mot de réalité. Affluent, nous avons le droit à Mokende Kaboli, Équateur, na Bandung. Mais comment est-ce que la population à Mbandaka, à Rozoambisi, à Mbandaka, Bamabongo, Bampoka, Bangolo, Bamokobe, Bamongusu, allons-nous dire à Mbandaka, pour que le Tekambisi, na Bandung, na Poko.
okuna baza na bandundu azoma bandakala na bango azoma bambembe na bango alongwa na nzela bandundu na tongo akotika ngona équateur na mboka par la voie routière. On ne peut pas parler du développement sans le route. On ne peut pas parler de la solidarité nationale sans le route, parce que le route batalisa biso na service public, que le route crée ce qu'on appelle l'interdépendance entre le peuple, et ça renforce une solidarité nationale entre le peuple. Le peuple qui ne se fréquente pas, c'est un peuple à qui on ne peut pas demander la solidarité. Merci beaucoup. Tozana, 30e minute, il y a émission. Le monsieur de l'opposition ne s'est pas présenté. Du coup, Totikali Bandeko Tango va s'exprimer sur la question. Nini salami, nini salami, est-ce volonté car il y a pas bande et koki koloba ketata mon kambeko la zana volonté de kaotiko expliquer que Marambébele tambolite nenge sengelaki. Na deuxième mandat, tata mokambi kolo, na deuxième année ya mandat na e, pour na yon deko, priorité sengele zalanine, pour que Balamboka ba sentir quand même que changement est au côté. Après ça, qui a déjà na six axes na e, ou engagement, ou ils allaient à création de l'emploi, parce que moni mboka isa, on est au-delà de 100 millions ya bato, mais bato bele bazam salate. Nous l'avons dit que l'État n'a pas vocation à recréer emploi. L'État a allé providence comme de quoi outre le bangwa. C'est-à-dire, il y a Pesaka, Bilokolia, Apesa Moussala, à foutre la binodot, Bobala, à sa la binonyonso, binobozouzela. Ça, c'est le paternalisme, ça n'existe pas. Si un pays est sérieux, on ne peut pas aller sur ce modèle-là. Vous avez les États-Unis, c'est l'exemple d'un pays qui a beaucoup émergé, qui est leader, qui gère le monde. C'est le secteur privé, comme nous venons de le dire ce matin. Il faut l'État a créé des conditions favorables. Il y a qui investissement et il y a. Investissement, il y a pas de Ataba Congolais. Il faut permettre aux Congolais bazwa ba secteur privé où ils allaient que ça le problème au monnaie courant na mai na mboka mobimba. On a ce déficit là énergétique. Or bisoto cause la na problème wana atamukete. Soto robito toza na énergie solaire. Moi ils allaient, nous sommes sur l'équateur. 365 jours. Moi ils allaient. Ce qui n'a pas de mots et bimité, n'a pas de robim. Ce qui n'a pas de mots, n'a pas de peut-être mots et robim. Ce qui est l'énergie hydraulique, nous avons des cours d'eau partout. Tout ça là-bas, le barrage, tout ça créé, tout ça dénivellation, tout ça là, tout au courant facilement. Ce qui est l'énergie, tout ça là, éolienne, où il y a mon pépé. Ah, mon pépé, Zali. Donc, si tout ça a un problème, vraiment, il y a. Il y a la bloquée que l'État a ça là. Ce qui va dire que la population a se prendre en charge, l'initiative, l'entrepreneuriat, et ça, le Manakati Amboka, ce pays va aller. Mais est-ce que le climat des affaires est rassuré dans la RDC pour la facilité? C'est un peu ça qui pose problème. Parce que vous avez vu dernièrement un dossier. La primature, oui. Au 50 000. Nous avons dit que ça a contribué à la carte de développement à Mboka. Mais ces antivaleurs-là que nous voulons vraiment que l'État congolais, si vraiment nous sommes engagés, nous sommes lancés dans le développement, il faut détruire, il faut dénoncer. Ok, on a dénoncé si tu as les preuves. Parce qu'on ne peut pas continuer à se couvrir pendant que le pays est en train de se mourir. Le président de la République a appelé un engagement. Ces engagements-là, il y a un budget où il y a 18 milliards. Ils allaient pour booster l'engagement et salement. 145 territoires. Année à Liboso, il y a un mandat à Mibale. Il y a un gouvernement qui est en train de se faire. Il y a un gouvernement qui est en train de se faire. Il y a un gouvernement qui est en train de se faire. Il y a un gouvernement qui est en train de se faire. Il y a un gouvernement qui est en train de se faire.
Nani? Bon, c'est là que tu maman. Le budget est là qui est complètement utilisé. Donc il fallait causer là, dans les rentrées parlementaires, Oyo, pour que, prolongation, il y a budget, il y a année 2024, pour que, mais ça les bandes. Nous avons dit que Mbokeza est un peu bloqué, Mbokeza tournait. C'est parce qu'il n'y avait pas l'argent. Alors, ce rallonge-là, c'est avec le Parlement. Le Parlement a pour mission, il est autorité budgétaire. Donc, au salaté au bandeau, nous sommes bons, Yomoko, Mazéouzela, le 15, donc, lobby, c'était le 16, Parlement est zongé, donc, avec ça, on va faire ces rallonges-là pour que, mais ça, là, il y a l'État et zongé. Il faut attendre donc, l'année prochaine pour sentir quand même que changement est au côté. Le dernier trimestre, Yango, nous sommes en septembre, oui, nous avons octobre, novembre, na décembre. Donc, dernier trimestre, le nouveau gouvernement va quand même faire quelque chose pour que population à sentir. C'est pourquoi on a lancé que Tozong est là-bas, 145 territoires, et qu'on mobilise Batebele, il y a beaucoup d'autres projets agricoles où il va auto signer un accord en Chine pour lancer vraiment un centre agricole presque partout au Congo. Dans le volet infrastructure, il y aura beaucoup de d'action dans le sens de construire la route, de construire un barrage hydroélectrique, de construire un grand centre économique ou une zone économique spéciale. Il y en a à peu près 6 dans Katamboka. Autour de la zone, il y a des activités principales dans la indirecte à travers ma activité. Mais autour de la question, tu vas sentir comme si vous avez trop de discours. On dit que tu as beaucoup de conditions, tu as beaucoup de alors que vous avez déjà 6 ans. Ni ne vous avez pas dit que tu as déjà beaucoup de choses pour que. Mais ma école, ton ami presque partout dans le Congo, il y a une communication, il y a un gouvernement, il y a trop faible. Et on me permet que la population monaque, il y a un peu. On devait avoir un site. Pendant la campagne, il y a un site Moko. Il y a réalisation du gouvernement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup aussi doivent être faites. Et nous attendons, avec ce nouveau gouvernement, l'assignation du ministre Nyonso à Salam Salanaï. Parce que nous voyons dans chaque gouvernement, au moins, on a peut-être 2-3 ministres qui se distinguent. Mais nous avons l'équipe vraiment incognito. Nous voulons vraiment que chaque ministre a tikaba marque nae a l'axe vraiment que non, ils ont la charge du ministère, ils peuvent donner l'impulsion pour que le peuple puisse. Mais aussi, Mbaki dit qu'en Bétali, il y a un investisseur. Tata Mbaki, il y a un investisseur. Combien si Bétali, il y a. Maman, Naomi, il faut comprendre que les investisseurs, c'est un domaine qui touche à la fois à la politique. Pour mon abattoir, il faut bozala bozana bango en odeur de sainteté. Mokonzamboka a zwa ki premier mandat naé a consacré mon à ba occidentaux. Alors qui c'est vraiment kaza prêt à travailler bango principalement les Américains et les Européens. A sali ba tour news. Ba toana parce que pour eux le Congo c'est un pays qui ne doit pas appartenir aux Congolais depuis Berlin. Tamba katakamboko baroba ke wanezali champ ouvert ya mutunyoso azwa kakuna. Bon quand balobi mutunyoso balobi Chine te balobi Inde te eza bango Allemagne France na bamususu nde bakolo mabele oyo. Alors depuis 136 ans bangoni ba salaka nyoso balingi na katamboko. So tamba moni Félix Tshisekedi azwi bokonzi. Il y a une logique qui est la logique. Il y a une logique qui est la logique. Il y a une logique. Alors, il faut tout ça, la logique, gagnant-gagnant. Nous gagnons aussi, nous développons notre pays. Vous aussi, vous avez besoin de matières. Il y a un diamant, il y a un or, un cuivre. Nous avons besoin pour une industrie militaire, une industrie technologique, aérospatiale et tout ça. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Vous pouvez savoir ça. Mbongo, biso fait tout ton mambo, biso. Baboui.
Saliba Touré et Belé, il a fait à peu près 6 voyages aux États-Unis. Aucun investisseur, en dehors de la Pepsi, tout le monde en a mal. Mais, tant de comprendre que Bato Bazan a posé à Bissoté, il y a un moment tu privilégies tout travail dans Bao Bazali. Après, à Balo qui n'a pas de Chine. Bah, Chine, déjà, Bazalaki, tant où il y a à côté de Bokonzi, Bazalaka déjà, na Maine. Mais, ton but est de diversifier l'économie de Bissot, tout ce qui est dans la minerité, tout ce qui est dans l'agriculture, tout développer Banzela, tout permettre à l'usine de Bassina, de l'outil de Kassai, pour inaugurer, bon, pour inaugurer la première pierre, la construction, la cimenterie, la Liboso, depuis que les Kassai, les grands Kassai existent. Tout le monde est au Congo central, tout le monde est à Katanga, tout le monde partout, la cimenterie est là. Mais la Kassai est là. Vous ne pouvez pas développer un pays sans avoir une cimenterie. Parce que pour nous, vous avez besoin de ciment. Les lots de ciment à Kassai, ils ont autour de 50 dollars sac. Alors qu'on est presque à 1000 km. Ici, on est à 9 dollars. Mais Kuna, ils ont 50 dollars. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas priorisé le secteur privé. Ce sont des choses que les privés devaient amener depuis longtemps. L'État n'a pas jouer franchi à ce niveau-là. On a bloqué beaucoup d'investisseurs. Baye, Bazanambo, avant que vous bandez ça, Bazo Sengambo. Vous devez verser 10 millions. Tout produit, non, tout ça devient 10 millions en fonction de quoi? Mais en termes de première pierre, ils ont, comme ils ont belé, ils ont espéré que ça va aboutir. Ah, ils ont privé. Ils ont les Chinois. Ah, ok. Baye pona baza déjà na loi là-bas ba tongi déjà usine ya simakuna baza na Kassai toujours kende Équateur province orientale ba kotiamo partout parce que ils sont dans 13 pays dans le monde, c'est leur domaine, bazo maîtriser ce qui te permettre que ba secteur nyo soit na ezala privatisé au comment l'état d'a gagner baza de quoi lobby ce qui ba salinze là au premier vu. Celui qui a construit la route, a sali par exemple, a dû marcher à 300 km. Il y a un zéla na yewana, a un péage. Il y a un gagné pour récupérer l'investissement. Mais quand les camions vont faire le transport sur cette route-là, la marchandise qui sera transportée de A à B, ça sera vendu. Ceux qui vendront ces marchandises vont payer leurs taxes à l'État. Vous comprenez? L'État gagne indirectement en favorisant un bon climat des affaires, en permettant aux investisseurs de lui venir en aide, parce que c'est secteur privé. Donc l'État doit bien collaborer avec ce secteur-là pour permettre à ce que le développement se déclenche de manière directe à l'interne. Merci beaucoup, mon ambo kanazo zongela yo na okyo tangi de kamba ba européen pe ba américain ou ba sungi penzate banda bambulele ki mena na ki na mitu. Est-ce que bangonde ba pexi biso pe to lo na topé ba facilité biso te dans ce sens? C'est juste une question de ko Manix Iyenda malubomboka yo réévaluation il y a processus, il y a démocratie sous Félix Antoine Tshisekedi. Paix, effectivité à l'état de droit. Depuis un moment, tout le monde est sur la toile, opposant Bazako se plaindre. Il y a une tribune qui a été publiée hier, signée à plusieurs opposants, entre autres Martin Fayoul, Claudel Oubaya, Pebongo Nabongo, Olivier Kamitatu, Obazo Loba, la liberté n'a pas de prix. Ils disent que sous Félix Tshisekedi, l'état de droit et sa effectivité, paix, liberté, et opinion et expression, et sa garantie. Par exemple, le cas Yandeko 7 qui connaît. Quelle est votre réaction? Maman Naomi, permettez-moi de me dire que je suis en train de faire un peu de développement économique et social. Parce que, quand même, c'est une question très importante pour notre hôtel. Il s'en a pas eu peuple. Boni, nous devons lever les grandes options. Ce qui pense à ton dimi, qu'on a un État développé. L'État, un État-providence. Je sais que dans la conception classique des États, on a conçu l'État comme un État-gendarme. Moto a appelé ça à Mitindo. Moto a sengeli ko batela. Moto a sengeli ko protéger bato. Mais les lots, nous avons évolué. Aujourd'hui, nous sommes dans le format d'un État moderne. L'État doit aussi être entrepreneur. L'État peut aussi être commerçant. L'État peut aussi être manager.
Et quand on parle de l'État providence, na bengiango état service, l'État comme premier protecteur de la population congolaise, l'État doit aussi résoudre le problème des Congolais dans tout le secteur de la vie nationale. Pour entraîner même les privés au Bakoya, kende na même logique pour que le développement soit à la intégrale. Comment est-ce que bah privé Bakoya na mboka oyo par exemple dans le secteur banquier? Nous n'avons aucune banque avec les capitaux congolais. Et toutes les banques commerciales sont des banques des privés. Or, vous savez que lorsque le privé tient un secteur en état, et le privé va subordonner l'état à ses caprices. Et lorsque le privé va récupérer les capitaux dans la banque, l'économie congolaise sera par terre. Les autres, dollar et mati, dollar et mati. Tokobeta masolo ba surfacturation, il y a hausse de prix dans le marché. Mais qui prennent le dessus? Qui impose les lois? N'est-ce pas les privés parce que ali dominant dans le marché de change. Sauf que aujourd'hui par exemple ba secteur est belé au l'état a singuli d'abord cause à la com Montoualibosho a prêché par des exemples. Même na par exemple dans le secteur il y a assurance. C'est vrai c'est un secteur libéralisé, mais tout ça au moins dans Sonas. Et c'est ça l'intervention de l'État. Tout ça, la structure est belée. Oh, l'État a sengeli co-intervenir effectivement pour na, co résoudre un problème à ba congolais. Tout ça, le secteur de la télécommunication. Le secteur de la télécommunication, c'est vrai, c'est un secteur libéralisé. Les opérateurs arrivent, ils font la couverture en termes de télécommunications selon leur capacité de couvrir les territoires congolais. Mais ce qu'on a l'immensité à territoire en Abisso. Bah, réseau de télécommunications, ils ont la bambo qui a sauté. Ils ont la village qui a sauté. Et si vous voulez comme à Kokite, à Souki, à Télémissi, à Pilon, à Antenne, et si vous RTL à Kokite, à Télémissi, à Pilon, à Sali couverture en termes de télécommunications. Mais boni, n'a pas Congolais, ils ont la village. C'est-à-dire, Sengeli, l'État, bien que le secteur est libéralisé, l'État, il faut une société qui est phare. N'est-ce pas, dans le secteur, il y a secteur hydraulique, tout ça, là bas. Il y a Cohydro, il y a structure, il y a l'État qui fonctionne. Mais ce qu'on a dit, on a mensonge, il y a l'État. Et qu'on peut sa image, il y a ma B. Par rapport à ma structure privée, il y a qui fonctionne. Qu'il y a même l'administration, il y a des gens qui fonctionnent. L'administration, il y a privée, l'administration, il y a l'État. L'organisation, il y a moins mingi, il y a privé. Or, l'État doit donner une bonne image. Dans le secteur, il y a transport. La SNCC, il y a une société à mototé, il y a une société à l'État. Ce que produisait la SNCC à l'époque, et bien, on a dit que l'ONATRA. T'as le niveau et l'industrie, tu as dit que tu as ONATRA. Et le, quel est l'état de cette société ONATRA? N'est-ce pas un manque à gagner pour le pays? Mais combien de jeunes Congolais ont mis ça au travers ONATRA? On a dit qu'il y a ouvrier. Mais effectif, il y a personnel, il y a ONATRA de l'époque par rapport à ONATRA et à l'élo. L'État doit aussi intervenir, même si le secteur est libéralisé. C'est-à-dire que les lots ont pensé à prendre en compte les deux possibilités. Oui, l'État doit intervenir, les privés aussi doivent intervenir. Mais bah, privé va quoi intervenir quand? Parce qu'on a une décolobité, on a une Europe, la France, la Belgique, etc. On a une Amérique, on a une vision de la musique, on a une compagnie qui vise à l'économie en termes d'investissement. Mais qui est cet investisseur qui peut venir dans un marché économique non propice, non favorable? Dans un marché où règne la corruption, où règne la fraude, le non-respect des textes. Il y a un exemple, il y a des cas où un investisseur arrive avec ses moyens, mais il faut exiger un droit de commission. Comment un investisseur peut investir dans un état pareil? Moi, je connais un cas dans une province, dans le Congo, qui a exposé le gouverneur. Il y a Oxfam, il y a agence dans les Nations Unies, il y a pour investir dans le domaine de l'éducation. Dans la province, il y a l'Équateur. Il y a un gouverneur, et la personne interposée, qui a représenté Mindelo Wana, a un gouverneur, un directeur de cabinet. Boni, balingi va investir dans le secteur où il y a éducation pour la tombola province. Et le gouverneur, à la fin de l'exposé, il y a Mindelo Wana, le gouverneur a retourné, de qu'on a au Congolais, il y a représenté Mindele, a ebisaye, par naye, le gouverneur, il y a combien?
Par ya Congoté, mais par ya. Par ya Congoté, par ya gouverneur. Bon, Bolingi bon investir. Par na gouverneur, il y a combien? Mindele wana batalani. Bazu mikanda na bango. Babalouki, bakei, batika la pe ozonga soute. C'est un manque à gagner. Manque à gagner pourquoi? Parce que ba kambio ba ko kamamboka ba zali ko prêcher na ba acte d'exemplarité te ba li ba leader et singularité bango ba ko favoriser investissement ko ou talibanda sur le sol congolais te là où ne règne pas la bonne gouvernance l'investissement est impossible là où règne la corruption la fraude la concussion les détournements ozo imaginer bato ba ko tala biso na mboka ba pa. Tant que le Congo est un pays pauvre, mais en même temps, il y a 250 millions de dollars. Il a détourné 57 millions. Il a détourné 300 millions. Vous pensez vraiment que Bato, en tant que Bato, a mis sur la crédibilité et le respect? Je ne pense pas. Nous voulons de l'investissement dans notre pays, de l'investissement étranger. Commençons par être sérieux. Et d'ailleurs, parce que politique, il y a gouvernement comme État, Providence, c'est vrai. Mais, Nambo Kanabiso Awa, l'État était le premier partenaire. Il y a des opérateurs économiques nationaux. Tu mets ta Tatoukan Sebu Awa Nambo. Bemba Saolona. Il y a eu des Congolais grands producteurs, il y a café, il y a caoutchouc. Il y a eu des Congolais qui investissaient dans le secteur, il y a maïs. Encore que Nambo Kanabiso, oyebi, tobeta ma solo, ya masamwa bwamanda. L'eau soit Bumba, Foufou à Bazaï, et ainsi de suite. Mais Lelo, où sont ces opérateurs congolais d'abord, qui opèrent dans le marché congolais au bénéfice de leur patrie, favorisés par le premier partenaire qui est l'État pour le développement de Congolais. Lelo n'a pas indiqué que l'abisso l'os. N'a qu'il n'a Mwanda ou récemment. Bah, ça, la pêche, il y a capitaine Nabisso. Ce sont les Chinois. Ah, mais non. C'est-à-dire qu'il faut tous aller d'abord sérieux. Organisons-nous en interne. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous voulons le respect. Commençons-nous à nous respecter nous-mêmes. Oui. S'il vous plaît. Oui. Non, mais s'il vous plaît. Vous avez pris le temps. Attendez que quand vous avez ce n'est pas moi qui distribue le temps. Soyez apaisés. Mais si on a un autre qui est un millionnaire congolais, n'est-ce pas un investisseur qui est un beaucoup comme moi? Non, mais oui, c'est vrai. La démarche, elle est bonne. Mais après, après, comment on peut faire de Congolais réellement de millionnaires? Là, on regarde le secteur et l'agriculture. Vous voulez faire des millionnaires, considérez les secteurs de l'agriculture. Un agriculteur congolais peut devenir millionnaire. Et c'est très possible. Sauf que l'État tient à conditions favorables. Sauf qu'il y a au moins une banque agricole qui paye un agriculteur crédit. Il a la capacité à consommer un tracteur. Et si il y a une production, par exemple, il y a une tonne de maïs, avec les tracteurs, il y a 20, 30, 50, 100 tonnes. Et pour permettre de produire et inonder le marché, pour éviter l'effet inflationniste. Ma sangouette, on a pris au Congolais pour qu'il consomme, encore que le même Congolais vit déjà dans un pouvoir d'achat qui demeure très faible. C'est une question de politique. Alors, on a reçu quand on a la démocratie, on a reçu quand on a la démocratie. La démocratie, maman, au côté de la mboka na biso awa, au moment d'abattre mingi, balingi démocratie, mais bango mboka ba démocrate te. Na on peut se faire un discours. Na lolenge. Kenda avoir un enseignement. Ici, vous allez siéger à ma parti politique. Ba parti politique, on va ko beta to lo pentangba démocratie, démocratie. Mon moment d'avoir un discours, il y a dictature, il y a liboso na ba parti politique. Ils allent affichage. Tala engangola photo monene ya Bemba, ikolo a parti. Tala engangola photo monene ya mototel, Vital Kamerhe, autorité morale. Pourtant, le parti politique, en réalité, c'est un bien de tous. C'est une organisation de tout le monde et non d'un individu. Des deux. Ou d'abord, on a basala élu na kati ya parti comme président national à parti. Il soit basala 10 ans, il y a président à parti. Comment est-ce que dans un parti, on va faire la promotion de la valeur démocratique, qu'on a alternance et ça les maraté. C'est-à-dire ça, les gens qui ont dit, ça va, bon, Fayoulou, il y a eu un peu de parti. Tout le monde, il y a eu un postulé, il y a eu un bâton à commandement à parti, après ça, on a monté mon souci. N'a qu'à décider. Bemba, en prison pendant plus de 10 ans. Mais le MLC était incapable d'aligner un candidat parce que le MLC considère ses partis
comme l'affaire privée de Jean-Pierre Bemba. Mais le même bateau, on a un candidat président de la République. Le bidon, on a président de la République. Pensez-vous vraiment que ça soit la valeur de la démocratie dans ce pays? Je ne pense pas. C'est-à-dire, si on a un bateau, la démocratie à Congo, c'est d'abord un bateau opéré par les circuits et les partis politiques. Et les partis politiques ont détruit la démocratie au point qu'on transforme en la particratie. Jusqu'au point que pour qu'on soit engagé dans l'entreprise de l'État, il faut être membre d'un parti politique. Pire encore, même pour être recteur de l'université, il faut être membre d'un parti politique. C'est quand même très grave. Et ça, il n'y a pas si. Même pour avoir un directeur général d'un hôpital. Oh. Le médecin directeur n'est pas là. Il faut être membre d'un parti politique. Il y a des recommandations. Vous avez déjà vu quelles sont les entreprises publiques de l'État. Oh, bah, ça, appel d'offres, appel à candidature, concours. Bah, congolais, il y a un parti politique qui est. Bah, ça, concours, bah, zoom, ça, là, bah, ça engage. Combien? Mais qu'il y a une INSS, hein? Car dans le mandat où il y a un mandat, il y a engagé beaucoup de gens à un parti politique. À l'époque de Joseph Kabila, INSS va engager beaucoup de gens à la partie politique. Au Kenya, on a pas Sonas. Toutes les structures de l'État concourent et ça les marasouté. Concourent et ça les marasouté. Et Zara Likambouya, recommandation, liste envoyée par le secrétaire général d'un parti présidentiel, envoyée par tel ministre, envoyée par tel président du parti politique, et on recommande. Maintenant, quid de pour les Congolais, au bas, membre de la partie politique. La démocratie. C'est d'abord une question de valeur. C'est une question de mentalité. Et ça là-bas opposant. Dès qu'on sait Kikounou, t'as ni kanae. Et vous avez vu le discours de M. Seth Kikouni. Encore, il faut naïbi ça va opposant. Est-ce que Bimbo Kamoro n'a mon culio à ce bakanga abatouté? Comment est-ce que Montasali Mbeba a enfreindre ma disposition légale, a violé Mibé Kwamboka? Parce qu'Azali opposant. Parce qu'il y a acteur politique, Basimba et Kokanga solo, mais procédure, ils allaient respecter. Non, mais effectivement, Toko Senga, naba service judiciaire, Yamboka, Bakanga Bato, tout en restant dans le prescrit de la loi. C'est aussi ça l'état de droit. Mais l'état de droit ne veut pas dire que l'opposition devient une blanchisserie à Toza Kaba Kaba, parce qu'il y a acteur politique, il y a opposition, ce qui Bakangio est commis problème. Mais vous avez entendu le discours de M. Seth Kikouni. Un discours irresponsable, un discours immature. Combien de gens vont ça l'apologie à tribalisme sur la place publique? Je vois même une dame qui profère des insultes, soi-disant communicatrice à Tata Mokondia Moka. Mais là, la justice ne fait rien. Et c'est comme ça que les opposants reprochent le pouvoir par cette passivité d'intervenir sur des questions qui, en réalité, touche aussi ma membre et à pouvoir. Comment moi, sur Wana Gomibenga, même communicateur et chef de l'État. Ce qui est une certaine dénise, n'a dit comment on est bien mal à monter. Mais ma magistrat, par mon athée, le parquet ne voit pas ça. Aujourd'hui, tout le monde, quand on a regardé les gars dans la télévision, ce qui est Mouzek Ndingo, qui insulte en longueur de journée. Mais comment on peut être un État organisé sans être un État discipliné? Mais l'opposition dit que sous Kabila, l'opposition d'hier, Balobara est collé. Moi, j'ai horreur de tout le temps comparer le régime de Tshisekedi au régime de Joseph Kabila. Parce que les affres de dictature que nous avions subies sous l'époque de Kabila étaient quand même graves. Rossi Moukendi a koufa quand? Rossi Moukendi a semaï mandok, a kenda yiger, a koufa kina front? Mais Koufaki dans une bataille démocratique, n'est-ce pas? Thérèse Kapanga, la Koufaki quand? Dans une bataille démocratique. Floribert Chebeya, à Koufi quand? Pour la liberté, la protection de Congolais, le droit humain. Pour ça, il a été assassiné. Fidel Bazana. Et ils sont nombreux. Bah, militants, ils dépèsent, bah, oh, Kaltina Kiawa. Les 6 militants qu'on a brûlés là. Et ils pensent que si Magi Mandok, bah, Kenagi Nafron. Mais en termes de droit de l'homme, est-ce que échangé? Non, mais écoute. Ce qui est sûr, aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Mais comparer les régimes de Tshisekedi à celui de Joseph Kabila, c'est comme le jour et la nuit. Parce que nous venons de l'enfer, nous venons d'un état de coma. Aujourd'hui, la République vient de se rétablir, mais il faut que cette République marche. Merci. Et nous voulons que le Congo soit debout et que le Congo marche. Merci beaucoup, Ndeko Jean Moubenga. Vous avez le temps de rebondir, mais aussi la question de l'état de droit. Yo, Tinamiki Abapaya, comment ça se passe chez vous? Et est-ce que sous Félix Tshisekedi, d'ici, il faut comparer les deux régimes? Il y a une différence en termes de démocratie et de droits de l'homme. Donc, je voulais d'abord remercier pour la question. La liana zongelana ma lobandeko
Azolo Bamalam, il explique bien les choses. Mm-hmm. Je suis très flatté. Merci. Mais sur les approches, je pense que l'approche Oazako développée Wana, il fait allusion à l'État moderne. Mais dans les États modernes aujourd'hui, l'État-providence n'existe pas. Regardez toute l'Europe. Tous ceux qui ont appliqué ça, ce sont des États en faillite aujourd'hui. Les économies. Oui, parce que l'État a voulu prendre la charge. La plus grande société de transport en France, c'est les transports de l'État, les services de l'État. J'arrive. L'État-providence ne veut pas dire l'État qui étouffe le privé, non. Non, je dis que l'État-providence au sens... État-service. Non, au sens large, comme vous le dites, n'existe pas. L'État est resté dans certains domaines. Même aux États-Unis, parce que je viens de là, l'État n'est pas dans tout. L'État a tout privatisé. Même les aéroports aux États-Unis appartiennent aux sociétés. Dans ma ville, à Dallas, les troisièmes grands aéroports des États-Unis. Je suis d'accord. C'est pour les Australiens. Je suis bien d'accord. Vous comprenez? Les routes, ce sont les privés. Il prend comme ça 200 km. Et il met ses péages là-bas. Il prend l'argent. Mais... L'État est resté avec l'armée. L'État est resté avec l'administration fiscale. L'État est resté avec les histoires comme les parcs nationaux, comme les réserves, comme les musées nationaux, des histoires comme ça. Tout le reste, c'est entre les mains des privés. Et quand vous voyez l'Europe aujourd'hui, que ce soit le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la France, tous ces pays-là qui sont plus dans... Parce que l'État-providence, c'est plus socialiste. Bien sûr. Vous comprenez? Or, ce sont ces États-là qui sont aujourd'hui en train de tomber en faillite. Quand vous prenez un État conservateur, un État... Les gens de la droite, bien évidemment, qui réduisent le pouvoir de l'État. Ils réduisent, ils laissent tout au secteur privé. Ces États-là émergent. Regardez tout ce qui est comme anglophone. Tous les anglophones, que ce soit la Grande-Bretagne, et l'Australie, tout ça, les États-Unis, ils sont en train d'émerger. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé l'État régule tous les secteurs. Mais l'État n'est pas acteur. Donc, si l'État met des lois, l'État bongissime, beko, abibon, ma naomi au niveau ça la transport. Voilà, transport, namboko, il faut qu'on foute ça boy. Parce que biso, toko, sengayon pako, eleka, plafond, oyote. Ça va te permettre, tu seras dans les marges. Parce qu'on connaît les tronçons, on connaît les coûts du carburant. Tu as vu que ce qu'on tient 2 litres, comment la limiter. Ce qu'on met mis bateau autant, comment ça va. Mais ce qu'on souhaite aujourd'hui, amortissement, il y a outils de production. Où ils allaient moutou canaillot, na carburant, on tient na kati, na distance. Il y a déjà que indice, il y a tarification, il y a distance, il y a 1 km, ils allaient autant. Ce qu'on enfreint en haut, parce qu'il faut qu'il y ait des inspecteurs qui vont suivre pour le moment que aux autres trichés ou bien aux alliés respecter. Ce qu'on doit suivre en haut, aux anakimiens. Ce qu'on doit enfreindre, ma pécio et tombe. C'est ça le rôle d'un État policier. Bazo landela. Ba indien a battu sur Bazalia, bazo enfreindre loi. A ressemble ça quasiment à 1 dollar. A retient au 10 dollars. Il faut pas ça là-bas. Calcule nyonso. Il y a comment on dit, prix d'achat plus coût de revient pour avoir un bénéfice, pour déterminer le prix. Il y a une formule là, mais la formule, c'est l'État qui intervient pour faire respecter la loi, pour qu'il n'y ait pas de dérapage, pour que la population ne soit pas victime. Parce que quand l'État fait semblant, ne suit pas pour faire respecter la loi, c'est le peuple qui est victime. Il y a irresponsabilité à l'État. Dans tous les domaines de la vie, il faut que l'État puisse libéraliser. Si Ndekwa Lobi, SNCC, Onatra, tout ça, Ezalaki Kosuma, oui, nous avions combien de gens? Le Congo avait quelle population? 10 millions? 15 millions de abattus? Aujourd'hui, nous sommes à 100 millions. Nous ne pouvons pas laisser à l'État une responsabilité comme ça. C'est
pratiquement impossible. L'État doit réguler et laisser suivre, regarder dans chaque domaine si c'est respecté. L'État doit être là pour faire son travail. Mais l'État ne peut pas être là pour être acteur. Mais vous ne pouvez pas frapper sur ce qui est déjà commandé. On doit attendre que toute cette cargaison entre, qu'on puisse l'écouler, les prochaines mesures, parce que l'État ne peut pas seulement dire vendez à tel prix, si l'État lui-même ne facilite pas aussi aux importateurs, aux opérateurs économiques, Makambo, Moko. Mais si on a le droit de quelques taxes pour que... Oui, il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de tracasseries, il y a beaucoup de... Vous trouvez 40, 50 services na port. Vous demandez à ces gens-là de venir aussi augmenter les prix. Si vous réduisez, vous enlevez certaines... Parce que on va vous dire, non, pourquoi ça Mbongo et qui est pas dans notre tel. Si on peut informatiser, digitaliser, bah service nous sommes pour qu'ils aient là, et ils ont les caisse, na compte à l'État, là ça va. Mais quand il y a certaines choses, ils ont la province, ils ont le gouverneur, ils ont taxes à gouverneur, mais il y a plein de choses qui font que comment on appelle la structure à prix et mata parce que l'État lui-même est en train de tuer. Population foisée là bas résultant quand une échéance il y a trois mois, quatre mois. Il y a économie, professeur Mkoko Azali Nakata Kosala, naba inspecteur na union sur le secteur économie, Azali Nakata Kolandela pour nous voyez que marchandises, ils ont entre 45 et 90 jours. Donc en 3 mois, on peut déjà... D'ici la fin de l'année. Oui, d'ici la fin de l'année, on peut commencer à implémenter Banini Asika. Donc le droit de l'homme et la démocratie. Droit de l'homme, nos opposants congolais exagèrent pour rien. Ils savent, même le frère vient de le dire ici, c'est vrai que tout n'est pas rose. Partout dans le monde, vous arrivez comme ça, à l'aéroport, FBI Azuyo. On te prévient pas, on connaît chez toi. On a l'adresse de chez toi. Baselio, au côté de la supermarché, ça se fait partout. Ah, oh non, la procédure n'était pas respectée. Non. On ne dit pas aux services d'intelligence comment opérer. Ils ont leur façon d'opérer. Seulement, nous n'encourageons pas certaines pratiques inhumaines. Il y a que vos umutu. Pourquoi torturer, pourquoi tu sais, à Mabélé, dans la cave, tout ça. Non, vous l'avez pris, informé que non, voilà, il est telle place. Comme ça, au moins, tout le monde peut s'apaiser. Sur les droits de l'homme, ça, c'est un régime où les gens, tous les jours, si les gens passent sur les réseaux, les gens parlent tous les jours, si on n'inquiète pas tout le monde. Il y a des dérapages qu'on ne peut pas encourager. Je l'ai dit dernièrement ici, sur le plateau, qu'il y a des gens qui veulent montrer au chef de l'État qu'il l'aime plus que tout le monde. Face à l'homme, en faisant ça, il est en train de salir l'image du chef. Il faut que tous nos acteurs politiques, que ce soit dans le domaine de la sécurité, quand quelqu'un a enfreint la loi, il doit être interpellé. Mais ma bêza que bazo simba kaka opposition et pas la majorité. Bato mosufi a ebele bazo sala ma bé mais bazo simba bangote qu'est-ce qui se passe? Motune na sali ma bé o basimbite. Na likambetali tribalisme un peu bon na bongo il y a des messages qui passent sur les réseaux sociaux mais puisqu'ils sont du pouvoir ils ne sont pas arrêtés. Ici au Congo, quelqu'un parle de tribalisme au Congo ici il est du pouvoir. Nani? Les abilogo bazo le baka rapona koloba. Les gens qui parlent des fois ils sont à l'étranger. Vous allez l'arrêter comment? Non, mais la Denise, elle est par moment ici à Kinshasa. Elle s'est échappée. Elle s'est échappée. Nous attendons qu'elle revienne, qu'on voie la réaction des services. Si ça doit continuer comme ça, on va dénoncer ça. On ne peut pas permettre. Je l'ai dit l'autre fois, j'ai dit non.
Elle ne peut même pas parler au nom de la tribu. C'est la tribu, c'est... Les grands Kassai, là, c'est à peu près 15 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas parler au nom des gens qui ne t'ont pas donné mandat. Pour vos propres intérêts, qui ne t'ont pas donné le mandat. Moi, je suis du Kassai. Pourquoi je ne peux pas aussi m'autoproclamer communicateur des Kassaïens? C'est la fin de la question. Faites vos propres histoires. Ne mettez pas les gens là-bas. Si vous avez vos différents politiques, on peut toujours s'affronter sur le plan politique et ne pas intégrer la dimension des tribus. Parce que ce sont des dimensions sensibles. Ça peut pousser jusqu'au mort d'homme. Ça peut amener à des conséquences graves. Nous connaissons ce qui s'est passé. C'est entre Kyungu à l'époque et tu sais que dans ces histoires-là de Katangé Kassaïen. Ces histoires-là, nous ne voulons plus qu'on nous amène surtout sur ce terrain-là. Il faut que ça reste vraiment un débat. Tu n'es pas d'accord, tu es dans l'opposition parce que il y a Colette Kimuntu. Paulette Kimuntu. Et la dame, là, ils avaient des problèmes. Ils peuvent s'affronter sur le plan idéologique, sur le plan des soutiens, qui soutient, tu sais, qui soutient. Ce n'est pas mauvais de soutenir quelqu'un. Mais n'entrez pas dans les domaines des tribus, ça c'est très grave. Message non yasuka na lingala nini tokanga par rapport ya mes ya passage no mokona lelo et aussi na o etali mosala ezali ko salema na gouvernement Soumino. Est il faut peuple population ça un espoir malubano yasuka maman Soumino toza o senga o la muka mwandam depuis aujourd'hui c'est vrai que oza na ndenge nayo na ozo sala mosala na ba ministre nayo mais peuple a une impression comme si il y a seulement Moutoumoukounda au Salam Salam. Tout ça, pour ça, tout le monde a un ministre. Il y a mouillé maillot. Il y a un entraîneur, il y a un coach, il y a un conseil, il y a un gouvernement. Tindika Moutoumoukounda soit Salam Salam. Tout sentir que papa Moukoko Samba, à Salim Moussala, tout le monde, tout d'échange et bandit au Salam quand même. Hein? C'est vrai qu'il y a un magité au Salam, il faut tout produire, tout est calibanda, bah, devise Zonga et permettre. Mais surtout, bo sungaba na mboka bazwa ba secteur sensible neti ya économie totiki bandam longtemps économie na maboko ya bapaya ba indien ba pakistanais tous ces gens là ils font la loi ici bo sunga bande koneti ba kansé bo à l'époque neti ba bemba saolona même si c'était des acquéreurs bazwa biloko ba mindele tout ça mais lelo bo créer classe ya ba opérateur économique, bo sunga bango, bo facilité bango. Tant besoin na ba bureau na bino, bo pesa bango pe ba mikanda, ba permis d'exploitation facilement. C'est pas seulement un juif qui arrive, deux jours après il a le permis d'exploitation, a commis exploitant minier. Mais un Congolais se présente, bo senga ye makambo e belé, bo tika pe ba ndeko ba Congolais, ba zo accès na FPI. Bazo rappelle Mosolo, o ezali wana. Parce que mbongwana toujours kaka, ba indien, na banene. Quand vous allez là-bas, on vous dit non, ils ont les garanties. Mais okosenga garantie, c'est comme quelqu'un qui vient terminer l'université, à qui vous demandez l'expérience. A rozo l'expérience, n'est-ce que vous appréciez mon moussalate. Garantie à rozo anoua, puisque a bandit dans nos kosala moussalate. Boti a ba garde fou, c'est vrai, c'est l'argent, mais accompagner cette personne-là, ce qu'a kosala nene, attends, moi, savonnerie à mouke, ou qu'on permet que abanda ko teka savon aye atana boende atana mweka atana bonganda ou na malembankulu asala quand même bo accompagner soka matimo muke bo baksele mbongo kaka ndenge wana ndeto ko créer classe moyenne classe ya entrepreneur congolais. Nous n'avons rien ataba nene ba banque to sengi ba licence ko zo nene licence ya ko créer banque et ba ko sengo 30 millions ba ko sengo 50 millions. Parce que les Congolais ont fait un bon travail. Et vous avez faciliter aux Congolais aussi l'accès à ce domaine. Au moins, les Congolais sont belés. Ils ont une idée à Malam. Mais sinon, tout ça très positif. Maman Soumino, nous vous encourageons, nous vous soutenons. Nous attendons les 100 jours pour l'évaluation. Tout le monde a fait ça à Malam. Tout le monde a fait ça à Malam. Parce que nous avons besoin du résultat. Nous ne voulons pas vos histoires là comme de Kualoubi. Chaque fois, les partis politiques sont tous les déchets du monde. Il attend que le conseiller c'est ce qu'il doit faire. Non, le cerveau là, ça doit d'abord travailler.
Quand on vous propose à ce poste-là, c'est qu'on sait que vous avez la capacité vous-même déjà de manager les postes. Ça vous fait toujours de la peine de voir qu'il y a de la médiocrité à des postes ministériels où on est obligé toujours de recourir au changement et tout ça. Les compétences. Moi, au lugar de biso batozan la parti politique t'es. Obi bon. Kota atana simawa. Oko mawan. Bon ça l'angope. Remaniement au mois de janvier. Possible. Moi, j'attends d'ailleurs avec. Na remplaça ta mukuma. De komanik si yenda émission sili aux forces de propositions, effectivité et action gouvernementale sur le plan social et sécuritaire. Qu'est-ce que vous proposez à la première ministre Maman Soumino? D'abord, je voudrais remercier le co-débatteur pour la qualité à débat. On ne peut pas parler de la démocratie sans les démocrates. Et c'est une abus auto sala raba émission à boyer. Auto golobela ba individu moké, mais auto golobela système de gestion ya mboka. Au moins il y a tout d'abord moins boké seni. Na ou Italie, ba approche de gestion. Il y a boy état providence, nga na soutenir état providence, mais avec des arguments motivés. C'est cela le débat. Et c'est avec ce débat n'est européen sa démocratie n'abuso un vrai contenu. Non, ça nous diminue davantage et là, ça fait la honte même de l'image de notre pays. Mais Naban dit que Maman Judith de Soumino a une responsabilité, mon aîné. Car on a une métaphore dans le football. Tata Mokondiambo, Kazali, le roi entraîneur. Les patrons de l'équipe, c'est le peuple. Le peuple a nommé entraîneur pour concevoir un système de jeu, des tactiques de jeu. Vision de jeu à couper, ça n'a pas joueur pour que le joueur sur terrain va exécuter un mot. Mais il se peut que entraîner à cause d'un système de jeu à Malamou, ce qui va jouer à non performant sur terrain, Togopola. Tant que Tshisekedi a pour Bemba, ma bézagi a Tshisekedi. Bisounou Sotochak et Lika que Bemba, comme ministre de la Sécurité et Défense Nationale, a aussi Salikamboya Est, M23 et aussi là, Kagame à Kobang. Mais après la gestion à Bemba dans le secteur de la sécurité, Togomi tout dans Motouna, ma bézagi entraîneur, Togomi joueur sur terrain. Tant que Bemba ponagin de Kokamere, disons, tu sais que la ponagin de Kokamere, tu sais que la salagi mabete. Tu le bien dans le secteur, il y a économie, il faut un économiste. Aponi diplômé en économie, CT en économie, assistant en économie, doctorant en économie, docteur en économie, mais après gestion à Kamere, tant que tu as mis tout ma beza est entraîneur, to il y a joueur sur le terrain, sous Kananda qui sa oyo, tant que tu sais que la ponagin Kaboul, le bison se dosele, to se pelaki. Tu le bien dans le bapone, le bison monte à Ebi Sport, pour Kaboul a Ebi ba joueur. Ebi basi na bango, bana na bango, na ba cousin ya ba joueur. To biye le quoi ebi pe na ba joueur malamu, ebi sport malamu, sport eko bonga. Me kabou la jere. Motuneza, ma beza ya Tshisekedi. To, ya joueur a beti ma ben na terre. Alors, tata mo kozambo ka changer équipe. Ape si Brassard na capitaine ya Sika. Parce que la capitaine de l'équipe est ali premier ministre chef du gouvernement. Azali na responsabilité à repercuter les systèmes de jeu donné par l'entraîneur sur chaque joueur. Madame Judith Soumino comme entraîneur a à peine un devoir à lever ton. Il a veiller puis à ça la suivi permanent na ba coéquipier na pour que ba beta malam. C'est-à-dire que l'on soit qui t'opoli parce que toi dans la deuxième mi-temps. Minute aussi là. Ba joueur ba ko beta mabeta ta mokonza mboka sengeli a remplacer bango. À côté sa bateau ba kotela biso mongete na secteur ya éducation, ya justice, talande ko na biso elenge au Constant Mutamba. Maintenant, comme on est le roi Mbala Mbouta Biscott, on dribble bien. On coche bien, on passe bien, on centre bien. Mais 9 ou 9 ou 9 ou 9 ou 9 pour gagner Penza. Azate. Alors, tata Mokonzambo, quand tu as complaisance, à se débarrasser na bateau, on va zingier tout le temps. On va se débarrasser au moni, tu sais que tu es président de la République. De toutes les façons, vous n'avez pas de compte à rendre à tous ces gens-là. Décevez ces gens-là. Nous avons des Congolais de qualité en dehors de la sphère politique. Maman, ça y est, on robot roulage. Et si quand Nézawa Pinakati a République, Congolais n'a pas son moko tobi à Zana États-Unis, professeur à Sali smartphone, téléphone au capi. On a ni toko ben à moto à Wanate, tout ça la société mon aîné à téléphonie mobile na Congo, toi engagé par Congolais. Vraiment. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut que le président Azala beaucoup plus conscient. Parce que plus à côté qu'à joueur à ma ben à terrain, peuple à Robalou à côté à son entraîneur. Cette fois-ci, ceux qui te polis, ils ont à ma ben à joueur à terre. Ils appellent ma belle entraîneur. Florent Ibenge a contracté 4-9 avec la seule intention de remarquer but.
président, même but, il y a cafouillage, il y a but. Même but, il y a penalty. Et ça l'a qu'à abus. T'as là la plupart des ministres, parce que le discours facile. Moutamba, c'est un populiste. Oui, Moutamba, c'est un populiste. Ce qu'on y a, un non-populiste, c'est ça. Moutamba, populiste. Un discours très facile. Pire encore, ce ne sont pas les opposants qui s'opposent à Moutamba. C'est le membre de l'Union sacrée qui s'oppose à Moutamba. Et avec un discours facile, c'est un populiste. Tant que tu as un match, maman, Naomi, tu as appelé à poser ça, peuple Bacha, why? Tire mon cadre, mais t'as libéré, t'as contacté, tu mets ton joueur à son bête. Mais Bino, Moutamba, le seul joueur au Tchabiso, moi, ouais, à Robeta, moi, tire na poto. Mais Bino, mon bête, t'as été l'autre côté. Au recours, t'as la pénalty, t'es poto, soit pénalty. Mais yo, anagaga, c'est un populiste. Ce que yo, ça populiste était, au salini. Mais effort individuel, elle est qui, maman Soumino? Non, mais par moment, son équipe est Robeta, ma bé, l'individualité compte. Ce qui parle les efforts, la compétence, il y a Judith Souminois, même si elle est entourée par des incompétents. Donc, on marque but, tant mieux. Ce qui est individualité à Moutamba, on permet de faire but, tant mieux. Mais à tant que le système est à la collectif, bah joueur bah, faible, tata mon Gonzamboka, il y a encore du temps. Bimisa Bango, tala na ban. Mais on a vu ça aussi, diaspora. Mais tala Bimisa Maël, un joueur à Vani na ban. Très bien. Petit salé, papa. C'est la fin de l'émission. Merci de Jean Moubeda. Merci, Mwanamboka. Manix Yenda. Tout ça qui vraiment la force et la proposition. C'est vrai qu'il faut critiquer, mais il faut aussi proposer, puisque c'est notre pays. Tolinga Congo, Tobatila Congo et Totonga Corona. Bisoto Koutani. Prochainement, on a invité Moussoumé toujours. Avec le même plaisir. Au revoir et Kimia, Namaboutanabi. Merci.